Eh bien, salut à tous, dans cette vidéo, on va parler d'Ayaka, ça va être le guide final sur le personnage, plus de 6 mois après sa sortie. On va voir en détail les sorts, toutes ses mécaniques cachées, les combos, les constellations, les builds avec artefacts et tier list pour les armes, et puis on passera à la partie showcase, présentation des teams. Et sur ce, nous sommes partis. Ayaka, elle est réputée pour être un des meilleurs personnages offensifs du jeu, de par son kit, elle a donc une attaque normale, chargé, une compétence élémentaire et aussi l'ulti. Ayaka, en fait, le principe est que vous n'allez jamais faire d'attaque normale ou chargée en physique. Parce que Ayaka, avec son clic droit, elle a la capacité d'infuser son arme en cryo. Par exemple, là, je vais faire un dash, et bien les coups deviennent cryo. Si je maintiens le dash, et bien je suis sous le sol un peu comme Mona. Je peux du coup aller sur l'eau et je vais plus vite également. A noter, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand Ayaka surgit du sol, eh bien, elle applique l'état cryo aux ennemis qui se trouvent à l'emplacement où elle apparaît. Une fois ressurgie, elle a donc l'enchantement qui dure 5 secondes, et c'est un coup à 10 points d'endurance si vous le faites une fois. Le truc, c'est qu'avec un passif, eh bien, si un ennemi est affecté par cryo lorsqu'elle fait son dash, eh bien, elle régénère automatiquement 10 points d'endurance et elle gagne plus 18% dégâts cryo pendant 10 secondes. Ainsi, le dash est remboursé intégralement. Donc il faut toujours penser à dash pour avoir un boost dégâts cryo en touchant un ennemi et aussi avoir l'enchantement cryo. La compétence élémentaire fera des points de dégâts en zone avec 10 secondes de recharge. Elle va aussi augmenter de 30% le dégâts d'attaque normal et chargé pendant 6 secondes après avoir fait le E. Et puis l'ulti, donc elle va libérer dans un cône un tourbillon de cryo qui fera des dégâts indécents, un coup à 80, ce qui est très élevé, avec 20 secondes de recharge. Généralement, Ayaka, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment l'utiliser pour son ulti, c'est son déchaînement élémentaire qui va être le plus important. Et quand on n'a plus rien à faire, ça veut dire que les compétences élémentaires d'échaînement des alliés sont utilisées, eh bien on pourra toujours donc faire des dashs avec Ayaka, faire des E et donc faire des combos attaque normale chargée. Et maintenant, parlons de ces combos. Il y a plusieurs types de façons de jouer Ayaka dans son moveset, car en fait il ne faudra jamais faire que des attaques normales avec Ayaka. Donc, vous n'allez jamais faire ça. Jamais. C'est une perte de DPS. Du coup, quelles sont les solutions? Eh bien, on pourrait se dire que le plus optimisé serait de faire ça. Attaque normale, attaque chargée. Dash, attaque normale, attaque chargée. Sauf que ce n'est pas le plus efficace. C'est d'ailleurs même le moins efficace de la liste. Et quand je dis le moins efficace, c'est par rapport à la consommation d'endurance. Vous allez vite être à court d'endurance si vous spammez ce combo-là. Cependant, il est quand même très utile si vous avez besoin de dégâts en zone rapide avec l'attaque chargée et aussi pour attaquer des ennemis qui sont dans le vortex de Venti. Effectivement, dans le vortex de Venti, ça va être assez difficile de taper avec les attaques normales et donc spammer des chargés sera conseillé. Donc le combo n'est pas à éliminer, mais ce n'est pas le plus recommandé. Il est situationnel. Le plus efficace avec Ayaka, c'est en réalité de faire deux attaques normales puis une attaque chargée. Donc comme ceci. Voilà. Si vous jouez un Xingqiu avec Ayaka, vu que Xingqiu a besoin que votre personnage actif fasse des attaques normales ou Yelan quand elle viendra, et bien dans ce cas-là, je vous suggère de faire 3 attaques normales avec Ayaka, puis une chargée. Donc comme ceci. Voilà. Et si vous avez besoin de beaucoup plus d'applications cryo, pour X raisons, et bien dans ce cas-là, vous pouvez faire 4 normales puis une chargée, mais c'est très rare. Donc généralement, avec Ayaka, retenez, c'est deux normales et une chargée. Tac, 1, 2, chargé dash, 1, 2, chargé dash, 1, 2, chargé dash, voilà. Avec Ayaka, vous ne ferez du coup généralement pas de jump cancel, parce que finalement, le dash vous donne un buff constant qui est important de réappliquer, et l'endurance vous est en quelque sorte remboursée. Pour la compétence élémentaire, l'animation, comme celle-ci, n'est pas très longue, mais vous pouvez l'interrompre avec un dash. Comme ceci. Voilà, c'est parti et j'ai pu l'interrompre. C'est d'ailleurs conseillé. Pour le déchaînement élémentaire, il faut noter que le déchaînement va snapshot. Il ne dure que 5 secondes certes, mais c'est important à noter. C'est-à-dire que si par exemple, Ayaka se trouve dans la zone de Bennett, et que la zone de Bennett, pile quand elle se termine, Ayaka lance son ulti, et bien même si la zone de Bennett disparaît, l'ulti d'Ayaka pendant 5 secondes aura les mêmes caractéristiques
au moment où Ayaka l'a lancé, quand elle avait encore le buff attaque conféré par Bennett. L'ulti va suivre l'ennemi qu'il a verrouillé, donc attention à ne pas mal le placer, parce que ça peut vous jouer des tours et vous pouvez du coup le balancer, et il peut aller un peu dans n'importe quel sens. Et donc à noter avec l'ulti, vu que vous avez un boost de dégâts cryo après un dash, eh bien pensez-le à faire avant de lancer l'ulti pour que l'ulti vraiment profite pleinement des dégâts cryo bonus. Donc la rotation va être simple, ça va être de faire un dash, un E, une ulti immédiatement. Voilà. Pourquoi un E? Parce qu'au moment où vous allez lancer l'ulti, eh bien vous allez récupérer les particules et donc ça va être très bien parce qu'en fait, certes on peut se dire mais du coup je perds du temps pour mon bonus de 6 secondes, mais dans tous les cas vous n'en aurez pas eu l'utilité. Parce que immédiatement après avoir fait le dash, E, puis ulti, eh bien vous allez swap sur vos supports pour refaire une rotation avec leurs compétences élémentaires généralement. La seule occasion où vous pouvez faire du coup le E après l'ulti, c'est si vous jouez Xing Shou Yelan ou vous jouez énormément avec les attaques normales et chargées. Question de préférence en soi. Ayaka n'est pas très dur à jouer, pas très dur à comprendre. En termes de priorité, il faudra augmenter l'ulti, c'est le plus important. Puis après, l'attaque normale et chargée. Et enfin, la compétence. Maintenant, pour ceux qui veulent se demander Ayaka et ses constellations. Sachez qu'Ayaka n'a pas besoin de ses constellations, elle est super puissante en C0. Et pour ceux qui voudraient aller chercher des constellations intéressantes, eh bien, les voici. La C1 n'est pas intéressante. En fait, ça va certes en fait réduire le temps de recharge de votre E, mais ça n'est pas un apport en DPS. Pourquoi? Parce qu'en fait, au vu de vos rotations avec les teams les plus optimisées, vous n'allez pas faire plus de E avec Ayaka, ce serait sûrement une perte de DPS. Donc la C1 n'a quasiment aucune valeur. La C2 est plutôt cool parce que en fait, la C2 va faire apparaître deux petits tourbillons, un à droite et un à gauche du tourbillon principal. Et ils feront du coup 20% des points de dégâts d'origine, ce qui est bien. Alors en fait, selon s'il touche l'ennemi, donc ça dépend de sa taille, ça dépend des placements, ça peut vous conférer jusqu'à plus de 25% de DPS, ce qui est incroyable. Mais c'est vraiment dans le cas où tous les tourbillons touchent, ce qui ne va pas forcément s'appliquer tout le temps. La C3 va augmenter de 3 niveaux l'ulti, ça va donc être un boost de 11% pour votre ulti principal et jusqu'à 15% si vos deux tourbillons avec la C2 touchent la cible ou les cibles. La C4, c'est la plus importante parce qu'en fait la défense des ennemis va être réduite de 30% dès qu'ils sont affectés par l'ulti d'Ayaka pendant 6 secondes et donc eh bien, c'est un apport de 20 à 25% de DPS, c'est vraiment incroyable. Ensuite vient la C5 qui va juste augmenter de 3 niveaux votre E, ça va être un apport de moins de 3% de DPS, ce qui n'est vraiment pas pertinent. Et la C6, en fait, ça va faire que toutes les 10 secondes, votre attaque chargée sera illuminée et vous pourrez du coup faire des gros dégâts. C'est un apport de un peu moins de 8%, c'est pas vraiment conseillé. Notez ici en fait que Ayaka, c'est vraiment la C4 qui fait la différence. D'ailleurs, pour vous dire, même les Whale et les gros joueurs qui ont des constellations 6 partout utilisent en réalité jamais la C6. Voilà. C'est vraiment du pur fun en soi, la constellation 6. Donc voilà, Ayaka, arrêtez-vous à la C4 si possible. Et même dans tous les cas, arrêtez-vous à la C0 parce qu'elle est super forte en C0. Et C4 est la plus importante, puis après C2, puis après C3, et le reste est beaucoup moins pertinent. Passons maintenant au build d'Ayaka, les artefacts. Alors c'est assez simple. Ayaka, on va la jouer uniquement si on l'a en basse constellation, en team freeze. Dans ce cas-là, il faut évidemment opter pour un 4 pièces cryo qui va conférer en 2 pièces 15 dégâts cryo, mais surtout en 4 pièces qui va conférer 40% de taux critique, ce qui est incroyable. Ainsi, Ayaka, avec 5% de TC de base, plus les 40% avec le set quand l'ennemi est gelé, elle passe à 45%, plus les 15% via la réseau cryo, eh bien Ayaka passe à 60% de crit par défaut juste avec le set et la réseau sur un ennemi gelé. Faites attention à ne pas dépasser les 45% de taux critique sur elle. Le reste, eh bien, le set et la réseau s'en occupera. Maintenant, le 4 cryo est le plus recommandé, mais dans certains cas, par exemple, si vous ne pouvez pas du coup geler l'ennemi et que vous jouez sans la réseau cryo, eh bien dans ce cas-là, des Ayaka peuvent être rejoués en 4 emblèmes, ou peuvent être rejoués en 2 attaques puis 2 cryo, mais c'est pas conseillé, généralement juste foncer et jouer Ayaka 4 cryo qui est le plus opti de très 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 loin. Maintenant, qu'allez-vous chercher en termes de main stats? On va partir sur une coupe dégâts cryo, c'est recommandé, un sablier attaque et un casque dégâts critiques ou attaque pourcent. Cela dépend. L'attaque pourcent sur le casque peut être bien, surtout si vous jouez avec une arme dégâts critiques.
et que vous avez beaucoup de dégâts critiques sur vos items, sachant qu'Ayaka a déjà un éveil dégâts critiques. De mon côté, avec mes artefacts, ma Ayaka bénéficie plus d'un casque attaque que dégâts critiques, mais c'est très personnel et ça dépend vraiment de vous. La différence n'est pas très grande, juste prenez ce qui vous confère le meilleur substat, et généralement un joueur devrait s'orienter vers un casque dégâts critiques. Pour les substats, c'est classique, comme tous les DPS, ça va être du taux critique, attention à ne pas dépasser les 45%, je vous rappelle, dégâts critiques, attaque pourcent, énergie recharge. Pour Ayaka, un petit 120-130 énergie pourrait suffire, mais après vous avez vos supports, cryo, avec armes de fa bonus qui peuvent grandement l'aider. Pour les armes, il y a une très bonne arme 4 étoiles, c'est la Menoma Kageuchi qui va aider Ayaka pour son énergie et qui va aussi du coup faire de très bons dégâts. Donc c'est vraiment une très bonne arme free to play que je vous recommande. Après bien sûr, vous avez donc son best in slot, la meilleure arme d'Ayaka, elle est le reflet de tranche brume qui est absolument god tier pour elle. Le gain DPS est phénoménal, donc si vous l'avez tant mieux. Ensuite vous avez le Cooper de Jade, alors attention avec le Cooper de Jade, vous serez overcap en crit forcément, vu qu'en fait ça vous donne 44%. Plus de 5% de base, vous êtes déjà 49%, donc vous avez déjà 4% overcrit de base, sachant que les substats peuvent apparaître sur vos artefacts. Mais ça reste une très très bonne arme pour Ayaka. Ensuite, vous avez le tranche sommet, même s'il n'y a pas de shield, ça peut fonctionner, mais si vous avez Diona, c'est encore mieux. Vous avez aussi la lame de la voûte d'azur pour l'énergie et l'effet, et l'épée du faucon pour l'attaque. Maintenant, il y a aussi donc l'épée d'Ayato, la lame ondulante de Futsu. Je ne sais pas ce qu'elle vaut ici, mais elle ne dépassera certainement pas le reflet ni le Cooper. Et du coup, en arme 4 étoiles, vous avez la Menoma Kageuchi, l'arme du Battle Pass, l'épée noire, l'arme roche noire, le messager de l'aube, et puis enfin la flûte. Mais généralement, prenez la Menoma Kageuchi, qui est gratuit. Niveau build de Mayaka, sans résonance, et donc niveau 90, avec l'arme, le reflet de tranche brume, son best in slot. Elle est donc C0, vu que ça suffit largement. Elle est couronne sur l'ulti, et j'ai mis niveau 9 l'attaque auto et niveau 7 la compétence. Niveau artefact, elle est évidemment en 4 pièces cryo, avec une fleur orientée TCDC attaque, une plume avec beaucoup de dégâts critiques attaque pourcent, un sablier attaque avec énergie recharge dégâts critiques, qui aurait pu être meilleur mais bon, je prends, une coupe cryo, qui est un bon mélange d'énergie recharge TCDC attaque pourcent, et un casque attaque pourcent, parce que comme je vous l'ai dit, c'est mieux que mon casque dégâts critiques actuel, tout simplement. Ainsi, ma Ayaka a donc 2700 attaques, 0,2M qui est inutile, elle a 27% TC, mais vous rajoutez du coup 55% à l'aide de la réseau cryo et du set cryo, ce qui la passe à 81-82% de TC, à 214 dégâts critiques, à 125 d'énergie recharge, ce qui me suffit. Et donc voilà, j'ai privilégié l'attaque par rapport aux dégâts critiques, même si les dégâts critiques restent honorables tout de même. Maintenant que nous avons vu ça, passons à la partie showcase et présentation des teams. Ayaka n'a pas vraiment un énorme éventail de teams. Elle va principalement rester sur sa niche qui est les teams Freeze, les teams Cryo. Elle le fait très bien parce que c'est la meilleure DPS Cryo en team Freeze du jeu. Elle est absolument dévastatrice, notamment grâce à son ulti qui va tout détruire. On va donc commencer directement par sa team la plus populaire et la plus forte actuellement, qui est aussi une des teams les plus utilisées par les joueurs. Elle s'appelle la Shinra Tensei. Elle est composée d'Ayaka, évidemment, c'est le pilier. Puis vous avez Rosalia ou Shen-E. Shen-E est meilleur que Rosalia ici, c'est un upgrade. Si vous jouez Rosa, vous avez tout de même donc le TC qu'elle confère. Alors, ça peut overcap crit si votre Ayaka a déjà trop de critiques. Mais Rosalia apporte une très bonne application cryo, de bons dégâts, et aussi c'est une bonne batterie avec son E. Et généralement, je vous conseille une lance de Favonius sur elle. Comme ça, ça va vraiment apporter beaucoup d'énergie à votre Ayaka et à votre team en général. Pour son upgrade 5 étoiles, Shen-E va augmenter les dégâts d'échaînement élémentaire d'Ayaka avec son E simple. Elle va aussi augmenter les dégâts crit d'Ayaka et aussi servir de batterie. Ensuite, vous avez le personnage Anemo. Ça peut être Kazuha ou Venti. Kazuha, généralement, étant meilleur ici dans la plupart des situations, sauf à la limite si vous pouvez grouper tout le monde et qu'ils peuvent être attirés par l'attaque de Venti. Et puis enfin, vous mettez Kokomi ou Mona. Alors ici, Kokomi, vous la jouez pour l'application Hydro avec sa Méduse qui est meilleure que Mona. Et avec le tome 3 d'étoiles, Chasseur des Dragons qui va augmenter l'attaque pour Ayaka avec Ayaka Snapshot, c'est parfait. Attention à bien d'abord prendre Kokomi, mettre sa Méduse, puis après swap sur Ayaka, parce que c'est Ayaka qui doit recevoir le buff attaque. Et en plus, vous avez du soin si jamais vous prenez des dégâts, même si la Team Freeze est là pour du coup complètement incapaciter les ennemis, donc le soin n'est pas forcément le plus pertinent. Dans ce cas-là, vous avez aussi Mona. Mona avec le tome 3 étoiles, avec son présage qui va conférer plus de DPS à la team. Et si jamais vous n'avez que Mona, eh bien vous jouez Mona avec le tome prototype Malice pour soigner avec son déchaînement élémentaire. Et donc actuellement, la team la plus populaire, c'est Shinra Tensei, Ayaka, Shen-E, Kazuha
et Kokomi avec le tome 3 étoiles. La team est magnifique, elle clear absolument tous les gars mono-cibles et multi-cibles qui sont phénoménaux. Ayaka, depuis sa sortie, clear le contenu comme ceci, elle fait un ravage. Maintenant, vous avez aussi d'autres variantes de la Shinra Tensei qui sont un peu moins puissantes. Ça va être donc la team Morgana. Donc en fait, c'est le même principe, on prend Ayaka, Diona, Ventimona. Encore une fois, cette team-là est plus standard. Diona est bien pour le shield et le soin. Elle est aussi bien en arc rituel pour double E, pour être une bonne batterie à Ayaka. Venti sera aussi une batterie à l'aide de son Vortex, qui va rembourser 15 points d'énergie flat cryo à votre Ayaka si le Vortex a fait une dispersion cryo et qu'il a absorbé l'élément. Mona sera là pour le présage. Vous pourrez du coup le prolonger, comme d'habitude, avec le gel. Et aussi avec un tome 3 étoiles, vous pourrez donc booster l'attaque d'Ayaka. Ça marche très bien, surtout eh bien, si Venti peut marcher avec son Vortex convenablement. Ensuite, vous avez donc une autre variante, la Morgania ici. Donc là, on prend Ayaka, Venti, Kokomi ou Mona et puis on met Ganyu. Voilà, au lieu de Diona, on met juste Ganyu pour encore plus de points de dégâts. Ça passe évidemment. Et si vous n'avez ni Mona, que vous n'avez ni Kokomi, vous pouvez toujours envisager Barbara. Ça peut être possible, même si c'est évidemment moins bien, mais elle peut porter le tome 3 étoiles et elle peut soigner. Ou alors vous avez aussi Xingqiu. Dans ce cas-là, il faudra, je vous rappelle, vous chercher le combo. Et au lieu de faire 2 normales, une chargée, il faudra faire 3 normales, une chargée. Et aussi, ça sera du coup plus mono-cible l'application. Mais Xingqiu passe avec Ayaka, contrairement à Ganyu. Et aussi, eh bien, Yelan évidemment passera. Mais du coup, ça requiera plus de temps sur le terrain pour Ayaka. Ce sera vraiment orienté mono-cible. Si vous n'avez pas dans cette team-là de Venti et de Kazuha, vous pouvez prendre Sucrose et l'équiper avec le tome 3 étoiles qui va booster l'attaque. Voilà. Ensuite, il y a une autre façon de jouer Ayaka avec un Hydro. Mais Ayaka prendra beaucoup moins de terrain. C'est avec Hayato. Alors, le combo marche. Le frère et la sœur peuvent être joués ensemble. Mais généralement, ça restera moins puissant qu'avec une Mona ou une Kokomi. Ici, en fait, vous allez faire votre ulti avec Ayaka et vous allez immédiatement vous en aller du terrain pour qu'Ayato puisse jouer, faire son ulti et commence à placer ses attaques normales. Je l'avais déjà couvert dans le guide Ayato. C'est une team qui est pas mal, qui clear le contenu. Et donc, vous pouvez donc jouer, par exemple, Ayaka, Ayato plus un Kazuha. Et en dernier, une Diona pour le soin, Rosalia, par exemple, aussi. Maintenant, une autre team, c'est la Monocryo. Si vous ne pouvez pas geler, eh bien tout simplement, vous jouez cette team-là et vous mettez donc Ayaka, Ganyu, Shen E et Kazuha ou Venti. Il y a aussi la variante où finalement la Nemo n'est pas très utile. Dans ce cas-là, il faut du coup jouer Ayaka, Ganyu, Shen E plus un Hydro, Kokomi ou Mona. C'est une team qui marche extrêmement bien. Mais ici, Shen E est une pièce extrêmement importante, donc il faut l'avoir. Que je vous recommande également, si jamais votre Nemo principal est déjà utilisé dans l'autre team, la Monocryo est aussi extrêmement puissante. Et c'est à peu près tout du coup pour les teams avec Ayaka, c'est vraiment assez restreint parce qu'Ayaka ne se joue qu'en team freeze. On ne va pas jouer Ayaka en team fonte, en melt. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ayaka, elle est soumise à l'ICD. Donc 2,5 secondes et ou 3 coups. Et aussi avec Ayaka, elle fait plein de petits coups en fait. Et donc par exemple, quand elle fait son attaque chargée, qui est en 3 temps, et bien en fait, c'est uniquement le premier coup sur les 3 qui va faire une fonte inversée et les deux autres ne vont rien faire. Et vu que le multiplicateur est assez faible, vous n'aurez pas de gros dégâts affichés. Ou pareillement pour l'ulti, vu que c'est plein de petits coups, eh bien c'est pareil, Ayaka ne va fonte que quelques coups avec un petit multiplicateur et donc ça ne sera toujours pas pertinent. Ce n'est pas comme une Ganyu qui peut faire des gros dégâts d'un coup et donc profite très bien de la fonte inversée. Ayaka ne peut pas le faire et en plus il faudra du coup un Pyro Enabler qui tienne le rythme avec Ayaka. Et dans ce cas-là, ça serait Xiangling et généralement c'est déconseillé. Maintenant, il y a des teams possibles avec Ayaka en fonte, mais ce sont des teams orientés pour les whales, pour les speedruns. En fait, ce sont des teams one-shot où on joue Ayaka C4 avec Utao et le floor se fait atomiser. Voilà. Mais globalement, Ayaka est joué en team freeze. Vous pouvez évidemment tester d'autres teams plus diversifiés, plus originales, mais Ayaka, en termes d'optimisation, se joue uniquement en team freeze en basse constellation. Voilà. Et elle fait très bien le taf, donc pourquoi en fait essayer de faire autre chose quand elle fait le job à la perfection en team freeze. Et donc, c'est à peu près tout. C'est un passage sur les teams et showcase plus rapide parce que Ayaka, il n'y a pas grand chose à showcase sur elle. La team freeze est une des meilleures teams du jeu, c'est une perfection quasiment. Et même si vous ne pouvez pas jouer avec Ayaka, c'est trop fort. Par exemple, la matrice ou les autres boss, Geosorb, tout ça, Ayaka va les manger. Elle est pour moi un atout considérable pour tout type de joueur. Free to play, whale. Elle est extrêmement forte avec une arme 4 étoiles gratuite, extrêmement forte en C0. Elle a
un set cryo qui la rend extrêmement facile à build. Bien sûr, les artefacts, ça reste de la luck, donc ça, c'est vous et votre chance. Hein. Grâce à ce set-là et à la résonance cryo, même si elle n'a pas accès à des réactions comme fonte et autres, eh bien, elle a tellement de stats de bourrin à côté que cela équilibre largement la chose. Parce que je rappelle que 40% de TC avec le set et 15% de TC avec la réseau cryo, ça équivaut donc à 55% de TC. Et donc, c'est l'équivalent aussi de 110% de dégâts critiques. Donc, 110 de stats critiques. Elle est donc pour moi un des meilleurs 5 étoiles à avoir. Et aussi un des meilleurs personnages offensifs de Genshin Impact. Et ce, depuis sa sortie. Est-ce qu'elle sera détrônée un jour en tant que meilleure DPS cryo? Je ne sais pas. Pour l'instant, elle est pour moi la reine cryo du jeu en Team Freeze. Et je vous recommande du coup fortement d'investir sur elle si vous l'avez dans votre box. Elle va vraiment vous aider à clear le contenu. En plus, son open board, elle est plutôt cool vu que vous pouvez littéralement marcher sur l'eau à l'infini. Vous devez juste en fait faire son dash et naviguer sur l'eau. Et dès que vous êtes faible en endurance, vous avez juste à remonter à la surface, à faire des attaques auto dans le vide pour geler le sol et vous recharger l'endurance comme ça. Et vous pouvez du coup repartir en dash et c'est infini. Ça, c'est un petit plus. Et si je devais lui accorder quelques défauts, ça serait parfois le lock de son ulti assez capricieux. Elle a besoin de beaucoup d'énergie, mais je trouve que ça se complète très facilement avec les armes de Favonius et les différents personnages cryo qui l'accompagnent. Et puis éventuellement, le dash peut ne pas être au goût de tout le monde, mais finalement, c'est dur de lui trouver des défauts majeurs qui sont impactants selon moi. Et donc Ayaka, si je devais lui donner une note sur 10, ce serait sûrement un 8 ou voire même un 8,5 sur 10, tant elle est forte. Même si elle n'est pas forcément polyvalente, elle est tellement ouf dans un domaine précis qui est suffisant pour détruire tout le jeu, que je peux pas lui mettre en dessous de 8. Donc Ayaka, c'est un personnage qui est excellent, probablement un des meilleurs 5 étoiles du jeu. Et sur ce, la vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous avez pensé du guide dans les commentaires et ce que vous pensez d'Ayaka pour les nouveaux joueurs qui l'ont obtenu. Bon jeu avec la sœur Kamisato. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. En description, il y a mon Twitter, ma chaîne Twitch et mon Discord. Et nous, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien et à plus.